chef-lieu de la province du Nord-Kivu. C'est dans cette superbe ville volcanique que se trouve terré le cordon ombilical de la société Prémédis S.A.R.L. En 1996, M. Shiva Prasad Reddy, un sujet indien qui avait choisi la République démocratique du Congo comme sa seconde patrie, a rêvé de contribuer à l'avènement de la paix en offrant de l'emploi à une bonne partie de la jeunesse de la province du Nord-Kivu, particulièrement celle du territoire de Rutshuru, qui était en proie à la guerre. Très déterminé à matérialiser son projet, il se consacra à réunir tous les moyens financiers et logistiques pour construire dans ce territoire une première distillerie de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, 3 ans plus tard, s'étant mis en ordre avec l'État congolais, il lança officiellement ses activités avec un total de 3 employés le 27 juin 1999. Et en homme dynamique, il sera lui-même le 4e employé. Mais tous étant confinés dans l'usine de production, tout de suite, le besoin d'élargir les activités à la commercialisation s'était fait sentir. En répondant à ce nouveau besoin, d'autres s'ajoutaient chaque jour qui passait. Et le rêve de créer de l'emploi à la jeunesse commençait à devenir petit à petit une réalité. Une année plus tard, Prémédis S.A.R.L. ouvrira ses portes dans la ville de Goma avec l'installation d'une usine et d'un grand dépôt. Mais en janvier 2002, tous les efforts de cet investissement de Goma étaient partis avec l'éruption du volcan Nyiragongo qui avait décimé une bonne partie des infrastructures à caractère économique de la ville. La détermination du propriétaire de la société, M. Shiva, l'a emporté aux douleurs et regrets. Il fallait refaire, malgré tout cet investissement. Les résultats de cette détermination ont eu des conséquences appréciables, car, à ce jour, Prémédis S.A.R.L. est devenue l'une des plus grandes entreprises de l'Est de la RDC, engageant près de 1000 personnes, intervenant dans plusieurs domaines, notamment la production de l'eau, la fabrication des boissons gazeuses, du vin, des whisky et des produits cosmétiques. Prémédis S.A.R.L. est également présent dans les secteurs suivants: l'agroalimentaire, l'agro-industrie, la pêche, l'élevage, la logistique, l'informatique. Avec une direction générale dans la ville de Goma, Prémédis S.A.R.L. a élargi ses activités dans les provinces du Sud-Kivu, de la Tchopo, de l'Ituri, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Lualaba. Prémédis S.A.R.L. est maintenant implanté dans la région du Katanga avec une direction basée dans la ville de Lubumbashi où une usine de production est installée. Dans sa phase de démarrage, Prémédis S.A.R.L. emploie 150 personnes ainsi que plusieurs journaliers à Lubumbashi, Kipushi et Likasi. Grâce à l'installation de ces directions, Prémédis S.A.R.L. élargit progressivement ses actions dans l'ensemble de l'ex-Katanga en vue de desservir de la plus belle manière ses clients qui sont de plus en plus nombreux. Pour le moment, Prémédis S.A.R.L. finalise un projet de la construction de ses propres installations dans une concession de plus d'un hectare située dans le quartier Golf à Lubumbashi. Ces installations comprennent un bâtiment administratif, une usine ultra moderne, un dépôt de 50 mètres 60 mètres, une villa pour le directeur général, des appartements résidentiels, un parking. Dans le cadre de la diversification de ses activités, Prémédis S.A.R.L. a créé des entreprises dans plusieurs secteurs. Pour le secteur de l'agriculture, Prémédis Agroalimentaire et Baladji Agroalimentaire. Pour le secteur de la logistique, Prémilog. Pour le secteur de la construction, Société Générale Congolaise. Pour le secteur de l'informatique et de l'imprimerie, Simba Solutions. Prémédis S.A.R.L. investit dans le domaine agricole. C'est à travers les entreprises de ses filiales Prémédis Agroalimentaire et Baladji Agroalimentaire. Les secteurs concernés dans ce domaine sont l'agroalimentaire et l'agro-industrie. La société dispose des vastes étendues, des champs de plus de 3000 hectares, dont 2200 en Ituri et 1000 hectares en territoire de Rutshuru, en province du Nord-Kivu. Prémédis cultive le maïs, le soja et le riz.
dans l'agro-industrie, Prémédis et Saéré assurent la culture du café et du quinquina. Elles pratiquent également l'horticulture avec les pommes tropicalisées, dont les boutures proviennent de la Californie aux États-Unis. Des orangers et des manguiers. Elle produit également une quantité importante de bananes. L'objectif de la société est de faire la production de jus, des confitures avec des produits en provenance du Kivu et de l'Ituri. Le produit phare du secteur de l'agro-industrie est la farine de maïs, portant la marque Unga, très appréciée sur le marché par les consommateurs locaux. Ainsi, une réponse tant attendue par ces derniers afin de freiner l'afflux de ce même produit en provenance de l'extérieur du pays. La production actuelle de la farine Unga est de 500 tonnes par mois. Le secteur agricole de la société Prémédis s'est modernisé et mécanisé avec une dizaine de tracteurs, une moissonneuse-batteuse, des sémoires, des répandeurs d'engrais ainsi que des pulvérisateurs pour lutter contre les insectes et autres maladies. Il dispose également de 5 ingénieurs agronomes qualifiés et d'une main-d'œuvre régulière de 100 personnes et plus de 500 manœuvres temporaires. Ce personnel bénéficie régulièrement de la formation sur la planification, l'évaluation ainsi que les nouvelles méthodes de techniques agricoles. Dans le secteur de l'élevage, il convient de signaler que Prémédis et Saéral s'est spécialisé dans l'élevage des porcs, des caprins ainsi que des oies. En s'agissant de la pêche, Prémédis et Saéral pratiquent l'élevage des poissons dans les cages. Le poids de ces poissons varie entre 700 g et 1 kg. Le projet Avi Kivu est un sous-projet de la société Prémédis et Saéral qui met à la disposition de sa clientèle les poulets de chair, les œufs, les poussins, produits localement de manière quantitative. Prémédis et Saéral est aussi propriétaire de 2200 hectares dans la province de l'Ituri, 500 au nord Kivu. Dans ces espaces, Prémédis et Saéral pratiquent l'agriculture et l'élevage pour le bien-être social des populations locales. Filiale de la logistique. Prémilog, première logistique, est une société du groupe Prémédis et Saéral qui s'occupe particulièrement de la production et vente de matériel de construction, de l'expertise en construction, de la production et vente de semences, de la logistique de transport. Prémilog est dirigé par M. Simon Kazungu et là, sa direction générale dans la ville de Goma, avec élargissement de ses activités dans les villes de Beni, Uvira, Kalemi, Kananga, Mweneditu, Mbujimayi. Dans le secteur de la construction, Prémédis et Saéral agit à travers la Société Générale Congolaise, qui appartient à son groupe Saéral. La Société Congolaise a été créée pour fournir aux clients, gouvernements, organismes, partenaires au développement, privés, etc. Les résultats escomptés par l'exécution des travaux de construction, bâtiments, génie civil, et grands travaux, ont contribué à l'atteinte des objectifs des projets. L'objectif majeur de la Société Générale Congolaise est de fournir des produits et des services aux institutions et des organisations dans l'application efficace des normes de construction et des services d'ingénierie. La Société Générale Congolaise est constituée d'une équipe d'experts sélectionnés sur une base compétitive ayant des compétences nécessaires, de la qualification et des années d'expérience consistantes. Filiale de l'informatique et de l'imprimerie, Simba Solutions est une société du groupe Prémédis et Saéral qui s'occupe de l'informatique, du marketing, de la communication ainsi que de la publicité. Simba Solutions assure les services suivants: vente de matériel informatique, la location des panneaux publicitaires, l'impression sur bâche, vinyle, one-way vision, t-shirt, design graphique, branding et fabrication. Simba Solutions apporte aussi des solutions en logistique, notamment dans le domaine de la peinture, du réaménagement, du design intérieur. Le siège social de la société Simba Solutions est établi dans la ville de Goma. Dans le cadre du social, Prémédis et Saéral soutient les communautés locales avec plusieurs réalisations œuvres à caractère social, comme la construction et la réhabilitation des pans, des écoles ainsi que des bâtisses d'utilité publique.
Dans le domaine de l'éducation, les actions de la société Prémédis et SARL visent à apporter une assistance à la scolarisation des élèves et étudiants, notamment dans la province du Nord-Kivu, où elle a construit des écoles. Prémédis et SARL payent au total plus de 200 bourses d'études pour plusieurs élèves de l'école primaire et du secondaire. Pour la formation de l'élite universitaire, Prémédis et SARL avaient apporté un important appui financier pour la construction de l'université catholique, la San Piesia à Goma. La fondation UPEN Ready a comme vocation principale d'aider la jeunesse à émerger. La fondation UPEN Ready attribuera chaque année un prix aux jeunes qui se démarqueront, notamment dans le domaine de la paix, de l'éducation, de l'innovation, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, ainsi que la promotion du genre. Il est sponsorisé par la société Prémédis et SARL, dont le directeur général, M. Shiva Prasad Reddy, est le fils biologique de M. UPEN Reddy, qui est un sujet indien, qui a quitté cette terre des hommes il y a quelques années, et dont le dévouement pour la promotion de la jeunesse était considérable tout au long de son vivant. La fondation UPEN Ready lui rend hommage à titre posthume à travers ce prix. En somme, ce trophée signifie « Dans un environnement de paix, la jeunesse émergera ». Avec Prémédis et SARL, nous balisons le chemin de notre avenir.